Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un god mode sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce god mode, vous devrez être deux joueurs, donc si vous n'avez pas de deuxième joueur, n'hésitez pas à mettre votre gamer tag en commentaire pour essayer de trouver d'autres joueurs. Ou sinon, je vous invite à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé qui est le Discord de Nexus, où justement vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs pour réaliser ce glitch. Alors quand vous êtes deux joueurs, ce que l'un des deux joueurs va devoir faire, c'est aller à la tour d'observation et rester près du bouton qui enclenche une cinématique. Donc c'est le bouton que je montre dans le gameplay. Quand la personne appuiera sur le bouton action près de ce bouton rouge, une cinématique se lancera. Donc ce que l'autre joueur va devoir faire, c'est d'acheter une RCXD. Dès que vous avez la RCXD, vous allez vous rendre sur le toit du bar qui est en face du Burger Town. Ensuite, vous gardez un seul zombie dans la manche pour être sûr que le zombie ne détruit pas la RCXD. Quand il ne reste plus qu'un seul zombie, là vous activez la RCXD. Ensuite, vous allez devoir prendre la rampe et vous rendre sur un petit toit qui est juste en face. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Ensuite, il faudra faire en sorte que la RCXD s'enfonce plus ou moins dans le sol pour que l'autre joueur appuie sur action pour lancer la cinématique. Quand la cinématique est lancée, vous attendez un certain laps de temps pour faire en sorte que le temps de la ARCXD soit écoulé. Quand vous pensez que c'est bon, ben vous pouvez passer la cinématique. Si vous n'êtes pas sûr, regardez la cinématique en entier. Donc quand vous allez revenir dans le jeu, vous allez voir que la ARCXD est toujours disponible et là vous allez voir que les zombies vont pile up juste en dessous de l'ARCXD. Après c'est possible que un ou deux zombies vous voient et vous attaquent, mais c'est très rare. Par contre, il faudra quand même faire attention aux chiens et aux zombies élites parce que eux, ils peuvent vous voir. Ils ne sont pas attirés par la petite voiture ARCXD. Donc ce n'est pas un god mode invincible, mais c'est un god mode invisible aux zombies. Donc vous allez être invincible contre tous les zombies normaux, mais pas contre les chiens et contre les zombies élites. Donc voilà, de là vous allez pouvoir faire des XP facilement et très rapidement et vous allez pouvoir débloquer les camouflages très facilement et très rapidement aussi. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.